Hello tout le monde, comment va? Bon, bah là, on se retrouve, comme vous avez vu, Conan, Exil, 1000G, comme d'habitude. Par contre, je vous prépare un petit bonus, donc à la fin, ne partez pas. 1000G, et il y a moyen de débloquer encore 260G d'un DLC, même si vous ne l'avez pas, avec la petite technique. Donc, on verra ça après. Je vous laisse regarder cette petite vidéo, et on se retrouve tout de suite après. First, they took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? Chosen, what will you become? Ok, bon. Alors, comme je vous avais dit, on va taper les 1000G, plus je vous mets un petit bonus à la fin, histoire de faire encore 260G rapport avec les DLC sans les avoir. Donc là, on va lancer une game solo coop et activer le mode coop. Vous allez voir, tous les succès sont super simples, aussi vite que la vidéo. Là, vous allez en civiliser et jouer. C'est parti. Après, là, il va falloir créer son personnage. Je vous laisse faire votre sauce. Et on se rejoint après. Vous mettez sur pause. Ok. Pour ceux qui se sont tapés la scène cinématographique, ben, j'espère que ça vous a plu. Sinon, on se retrouve ben, tout de suite, tout de suite. Donc, il n'y a qu'un succès qui va être galère et il faut le faire avec un ami. Je vous ferai voir tout ça à la fin. Mais bon, tout le reste, super simple. Alors là, on va aller dans les paramètres. C'est parti, on va dans la dernière rubrique tout au bout. Ouais, et voilà, faire de moi un administrateur. Vous voyez le tableau comment il est, faut que ça soit pareil chez vous. Hop là, maintenant tu as la rubrique administrateur. Hop là, nickel. Maintenant, on se positionne ici. On va taper 60. On va se mettre le niveau 60 max direct. Et appliquer. Ah, vous allez voir, c'est super simple. Aussi vite que la vidéo. Juste pour le dernier succès, vous allez voir. Petite galère, mais bon, faut bien qu'il y ait des trucs un peu galères des fois. Ok, donc là on a eu tous les succès, 10, 20, 30, etc. jusqu'à 60, on y retourne. Ah, petite quête. Hop, oh, deuxième petite quête, ok. Bon, nous, voilà, on va aller sur voler. Là on va voler et le but c'est de toucher le ciel. Donc hop là, c'est parti. Et tu montes, tu montes. Bon, moi je vous ai fait une coupure, mais tu montes. Cherche pas. Et tu vas dire, ah, mais le succès, il veut pas venir. Non, non, t'inquiète, monte. C'est que tu n'y es pas encore. Voilà. Donc, maintenant que tu as celui-là, on retourne dans le panneau administrateur. Et maintenant, on va sur marché. On redescend.
on se laisse tomber, ça va faire un autre succès. Ah, moi je trouve le jeu terrible. Ok, t'as entendu le bruit des chevilles? Ah, dans la réalité, t'es une crêpe. À la groseille. Ok, donc maintenant, suivant, on fonce, on cavale le chemin de pierre, on le suit. On va aller jusqu'au bout, hop là, petite coupure. Et quand vous arrivez là-haut, on va tomber sur un pote à Batman. Hop là. Pas eu le temps de le toucher. Et faut ramasser le livre. Voilà. Ok, allez, on s'en fout de son blabla. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. Ouais, voilà, là c'est mieux. On va voilà, nous on est ici, on va aller se poser sur un endroit plat. On va aller faire quelques petites constructions pour les succès. On va aller se positionner là-bas, comme ça au moins on est tranquille. On a une bonne place, voilà. Terrain bien dégagé, on fait ce qu'on a envie. Un petit groupe d'ennemis là-bas dans un village et un scorpion qui se balade dans une... sur le rebord d'une falaise, mais on est tranquille. Ok, donc panneau administrateur de nouveau. On va aller dans bâtiment, on va aller faire des fondations. Hop, tu tapes fondation. Dans la rubrique bâtiment, bien sûr. Tu prends la fondation carrée de base que tu veux, mais moi, celle que je préfère, qui a un petit style, hop là, en bois renforcé, de glace noire. Ça fait y a un petit côté un peu plus barbare. Tu t'en prends une vingtaine. Normalement, au bout de 4, 5, 6, ça va se débloquer, mais bon. Fais ton truc. De toute façon, tu cliques, hop là, t'enchaînes. Du moment que t'en as une dizaine, une vingtaine, et tu les poses à plat, c'est parti. Il va se déverrouiller. Ah voilà, ok. Ok. Hop là, construisez votre premier bâtiment. Attends, je vais en mettre encore un peu. Je vais vider ce que j'ai. Là, on va faire le lit. Bon, de toute façon, on retourne. Panneau administrateur. Mince, ça a posé une pierre. Tant pis, on s'en fout. Un petit lit, hop là, tu prends le lit que t'as envie, on s'en tape, un lit, pour le poser. Ah ça, oui c'est vrai, c'est galère ça, à chaque fois faut aller dans le truc, le remettre dans ta roue. Mais bon, ok, hop là. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Une petite forge aussi. Oui, dans l'hôtel. Oui, oui. Hôtel d'Ymir, on va prendre. Ok, on pose. Tu vas contre le truc, t'appuies sur X et tu ressors. Hop là.
Le dieu. Ok, allez. De nouveau, panneau de config. De toute façon, tout se passe dans le panneau de config tout le temps. On va se prendre des liens. Tu tapes lien. Allez hop. Les premiers liens en fibre. On va se prendre aussi une massue avec. Hop. B, mince, j'appuie trop vite. Donc maintenant, équipement. On va taper massue. Hop là. Prends la massue de base. Parce qu'on va l'utiliser pour assommer et on va éviter de tuer. Ok, donc maintenant, faut les installer. Putain, je confonds toujours. Hop là. Hop là. Maintenant, on s'équipe avec. Parce que là, en fait, on va assommer un mec et après, faut l'attacher pour en faire son esclave. Donc on va prendre une roue. On va dans bâtiment. Hop là, roue. N'importe, tu prends n'importe laquelle, petite, normale, etc. On s'en fout, prends une roue de la souffrance. Ok, maintenant, faut la réinstaller dans la roue. Hop là. Ok. Alors maintenant, on va faire apparaître un PNG. Panneau d'administrateur, c'est reparti. Faire apparaître les PNG et on va taper Altar. Alors, je vous préviens, je vous ai fait une coupure, j'ai eu une galère moi, j'ai tapé, le bonhomme venait pas, j'attendais, j'ai retapé, il voulait pas, et là, je relance, je clique, et en fait, tous les bonhommes là sont arrivés d'un coup. Donc tu vois, là ça a pas marché. Altar. Bon, un peu galère, mais bon. Alors là, le but, c'est, vous voyez leur jauge rouge. Au-dessus, ils ont une petite jauge bleue. Faut la fracasser avant la rouge pour les faire tomber KO. Donc là, bon, je les ai tous alignés, etc. Là, c'est tout couillon. Hop, X, hop, là, tu le poses dans la roue. Vous n'êtes pas obligé de les faire tous si vous en avez plusieurs. Juste un, ça suffit. On va prendre la forge. L'améliorer tout de suite, on va pas se prendre la tête. Des fois, il y a des chipotages au niveau de certaines armes. Prenez l'améliorer, on est tranquille. Hop là, on le met dans la roue. On va le poser à côté, histoire de... Ouais, allez, on
on y retourne. Panneau. On va mettre un forgeron. On va prendre un bon. Alors là, tu tapes blacksmith. Et on va aller chercher le cimérien 4, de niveau 4. Hop. Ouais, faut descendre. Black End, voilà. Ta-ta-ta, hop, hop, hop. Il est là. Ah oui. Par contre, tout en dessous. Attends, je redescends. Hop là, voilà. Ici, faut le cocher d'abord. Sinon, tu vas devoir te taper contre lui. Là, au moins, il est tout de suite ton esclave. Ok, hop là, tu prends ton forgeron, tu le mets de l'autre côté, hop là, ça y est, il est actif. Voilà. Au final, c'est tout bête. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va... Attends, déjà, panneau d'administrateur. On va... Qu'est-ce qu'on fait? On fait les armes. Je sais pas, vas-y, allez. Épée. Alors, l'épée... Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Oh, désolé les gars. Ah, elle est là. Épée longue acheronienne. Oh, désolé, je la voyais pas. Mais tiens, avec les DLC là, ça te fait 50 armes. Normalement, il y en a beaucoup moins que ça. Ok, donc on l'a eu. On se l'installe. Et là, on va invoquer les boss. Ok, alors, paramètres, hop là, on va aller dans combat, le multiplicateur, on le met au max, multiplicateur de dégâts au max, et voilà, ça va s'enchaîner direct. Alors, panneau, hop là, on va sur les PNJ, et on va taper boss. Alors, des fois, t'as beau taper le nom du truc, ça veut pas, donc plus simple, boss. On va faire le crocodile géant. Alors, boss, voilà, crocodile géant. On valide, ok, il est là. Ça se valide ou... C'est comment? Ok. Alors, on y retourne. Là, on a 5 ou 6 boss à se taper. C'est 100 G à chaque fois. Ça va aller super vite. Alors là, on va se faire l'araignée géante. Ouais, je tape géant, mais j'aurais juste dû mettre spider, ça suffisait. Alors, ouais, la première. Ok. Oui, non, oui, non. Ok.
Donc on y retourne, panneau, les PNJ. Alors, on va se taper le King Courge. Ok, il veut pas. Je l'ai mal écrit. On va faire boss, ça sera plus simple. Là, c'est ce que je disais. Ça se prouve, okay, ça, c'est pas Kings avec un S, non, je sais plus. Donc, on va voir. Je sais pas pourquoi, là, il me l'a pas accepté. Black Boss, voilà. Alors, où est-ce qu'il est? Là. Ah, Kings Courge. Oh, ok, c'est pour ça. Allez hop. Nickel. Qu'est-ce qu'on fait? On va se faire le dragon. Alors, on va taper Undead. Et ça va être le dragon. Wildlife. Je le vois pas là. On va descendre. Ah si, je regardais en dessous moi. Ok. Wouhou. L'épée, elle était possédée. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on va se faire maintenant? Panneau, hop là, on va retourner au PNJ. Il nous reste encore un ou deux boss, je sais plus. On va voir ça. Là, vous allez taper Frost. Et on va prendre le Giant Boss. Voilà. Wildlife, Frost, Giant Boss. Ok. Hop là, il est là. Parfait. Les dieux du Nord. Maintenant, on va aller chercher le monstre. Donc, ouais, non. Hop là. Panneau. Ouais, je remets sur midi. Ça sera moins chiant. Je vais tenter d'écrire le nom, mais... je crois que j'aurais dû taper monstre direct. Oh non, c'est bon. Hop là. Ah, il est là. J'ai cru qu'il allait pas apparaître celui-là non plus. Ok, bon voilà, je crois qu'on a fait le tour des boss. Voilà, c'est parfait. Maintenant, bah on va aller se barrer au volcan pour faire le succès du volcan. Donc on va monter et vous allez vous positionner. Attends, hop là, je monte bien. À peu près, à peu près par ici. Tu vois là sur du plat et on a juste la montée à ce niveau-là. Téléportation, c'est parti. Là, tu vois le truc. Tu vas voir un chemin, tu regardes autour de toi. Hop là. Allez hop, on grimpe. On monte jusqu'en haut, vous allez voir, le succès il va tomber. Et après, on redescend dans l'autre sens. Il va falloir aller un petit peu plus loin pour un autre succès.
Allez, allez, allez. On monte. Alors, on est en mode God, on risque rien. Allez hop, au milieu des braises. Donc tu vois, dès que tu arrives à peu près à ce niveau-là, t'as le succès qui se fait. Maintenant, on va repartir dans l'autre sens. Yep là. Tu te pètes les jambes à chaque fois. Aïe, très très bon le bruit. Ok, après va falloir traverser la neige. On cavale. Oh, vous allez tomber sûrement sur des bestioles, des ennemis ou quoi. Ok, on calcule pas, on cavale. Ouais, j'allais partir tout droit sur la falaise pour rien. Allez, cours Forest. Je vous ai pas fait de coupure parce qu'on sait jamais. Le mec qui va cavaler, on est tellement impatient en général que le succès y tombe qu'à chaque fois on se dit bah, ça veut pas venir. Donc tu vois, hop, le bon signe c'est quand t'arrives, voilà, aux falaises au niveau de la neige. Si le succès est toujours pas arrivé, pose-toi ici, attends un petit peu. Maintenant, on va retourner d'où on vient. Parce que j'ai oublié un boss en fait. On était trop pressé. Et comme je te dis, c'est un jeu. Là, les succès, tu te les fais aller à la cool. Il n'y a pas besoin de stresser. Donc on va retaper boss. On redescend. Où est-ce qu'il est là? King Benes, je sais pas comment on dit. On s'en tape. Allez, tais-toi donc. Voilà. C'était le boss qu'on avait oublié. Donc là, normalement, on est bon. Ok, voilà. Il va falloir aussi compléter les défis du premier chapitre et faire le truc en coop. Je crois que c'est tout. Et après, on va passer sur le petit bonus. Alors, là, normal, voilà, chapitre 1, les périples des exilés. Il faut remplir tout ça, c'est tout bête. Grimper, boire, manger... Là, on va faire ça en 2 secondes. Là, tu te mets sur l'autel, tu sautes, hop là, et tu redescends. Manger et boire. On va même pas crafter. Direct. On descend. Nourriture, plus 1, eau, plus 1. Ok. À chaque fois je me trompe de touche, hop là. Alors vous vêtir, ouais, fabriquer un outil, donner un coup de pied. Le coup de pied c'est tout bête, gâchette de gauche. Ok, donc panneau d'administration, hop là. On va dans
Équipement, bah ouais, équipement. On va taper bracelet, brassard. On va bien trouver quelque chose. Oh, tu tapes casque, plastron, il y a bien un truc qui va tomber. Voilà, bracelet. Ouais, tu prends un truc au hasard, hein. Ouais, allez hop. On va aller sur les trucs de base. Ok. Maintenant, bon, il y a crafté un outil. Et encore, on n'a même pas besoin d'elle normalement, ouais. Vous allez tout à droite. Voilà, petite hachette de pierre. 5 branches, 5 pierres. Vous voyez, c'est marqué juste en dessous. Donc, c'est parti. Panneau, on y retourne. On va aller dans les ressources. Et on tape branche. On se prend 5 branches. Et on refait pareil avec la pierre. Ok, hop là. 4, 5. Maintenant, pierre. Maintenant, on retourne sur l'objet et boum, fabriquer, appuyer sur A. Hop là, c'est bon. Qu'est-ce qui nous manque? Je sais même plus. Ah oui, donner un coup de pied. Tout couillon, comme je vous ai dit, gâchette gauche. Ok, donc il nous manque plus que... Voilà, hop là, la route des rois. Donc il va plus que nous manquer que le défi de le succès là pour la coop. Et tu peux pas faire ça sur la même console. Faut automatiquement un mec d'une autre console. Donc, on retourne, on fait solo. On crée une nouvelle game. Activer le mode coop. Civilisé, comme d'hab. On se prend pas la tête. Et on clique sur jouer. Donc voilà, tu fais venir un pote sur ton serveur. Tu lui montes sur la tête. On descend. Ah oui, que je vous fasse voir petit réglage. En dessous de faire de moi un admin, tu cliques sur JCJ, tu l'actives pour pouvoir faire des dégâts à ton pote. Sinon, ouais, voilà, tu vois, on vérifie. Sinon, vous êtes tous les deux en mode dieu et c'est mort. Donc, moi, je me mets en mode dieu pour être tranquille. Tu te mets sur sa tête et tu te blindes en objet. Tu vois, histoire d'être super lourd, que ta jauge de poils soit dans le rouge. Donc là, j'ai des fondations sur moi, donc... c'est toujours pas assez lourd. Non, on va pas prendre des fondations. Hôtel, l'hôtel d'Ymir. On va prendre un hôtel, ils sont beaucoup plus lourds. Hop là, dans bâtiment. Et voilà. Eh ben bingo, tu vois, on y était presque. Et t'appuies. Boum, 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 boum. Tu te charges jusqu'à ce que le mec, il crève. Donc celui-là, il est un peu galère. Je te dis, tu te recrées une game en coop. Tu te mets en mode, voilà le succès il est arrivé, tu te mets en mode Dieu pour toi, t'oublies pas de cliquer là sur ce JCJ activé, t'invites un pote, au préalable il faut que vous ayez tous les deux un compte, quand vous allez sur liste d'amis, quand t'appuies sur start tu vas dans liste d'amis, t'as ton gamer tag en bas avec un petit chiffre, il faut que le mec il ait ça aussi pour pouvoir... vous mettre dans vos listes d'amis et vous rejoindre. Donc pas trop compliqué. Attends, je vais lui refaire une feinte. Ah non, faut pas qu'il meure. Là, je vais vite lui ressauter sur la tête, histoire de... Hop.
c'est vraiment une question de poids. Moi, c'est un truc, je l'ai recommencé plusieurs fois. Avant, le succès était plus simple, mais là, c'est une galère. Aussi, quand tu vas pour, quand tu te mets faire de moi un administrateur, juste au-dessus, il te demande code pour le serveur, etc. De préférence, pour être bien, pour être tranquille, mets un code. Tu tapes 1, 2, 3 et sur l'autre d'en dessous aussi 1, 2, 3. Tu as deux fois la même chose et tu dis à ton collègue, comme ça, vous êtes bien privé. Il n'y a pas de perturbation ou quoi, qu'est-ce. Donc ouais, voilà. Là, on va passer aux 4 petits succès bonus, histoire de faire 260G en plus. On va dans autre. On va taper saut. Et on prend les 7 premiers. Pas forcément les 7 premiers, il nous en faut 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous en faut 7. Après, tu vas dans ton inventaire et on va tous les activer. Utiliser X, hop, 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 hop. Ça va faire 2 succès. Utiliser un saut et en apprendre 7. Voilà. Et là, c'est bonus. Hein. Même si t'as pas le DLC, ça, tu peux l'avoir. Après, si tu te prends le DLC, bon, je crois qu'il y en a pour 18 E. Ça fait quand même mal aux fesses. Les autres succès qu'il y a à faire, c'est tout couillon, c'est pareil, appeler des boss. T'appelles des boss, tu dois te déplacer à 2-3 endroits et basta. Donc là, vous pouvez faire 260G en plus. Maintenant, ouais, dans équipement, faut taper point d'interrogation. Ouais, non, même pas, dans ressources. Ressources, tu prends, voilà, le violet, t'en prends un. On devrait avoir le succès de la clé. Il va arriver, voilà. Là, on va dans autre. Là, le dernier, ben ouais, on va fabriquer... on va fabriquer notre hache. Donc, on va dans ressources, manche. Hop là, manche d'armes. C'est de l'Eldarium, je crois. Eldarium. Voilà, on prend celui du milieu, le normal. Ça, prenez-en, je crois qu'il nous en faut 47, t'en prends une cinquantaine. Compte. Ouais, je crois qu'il nous en faut 47, bâton qu'un seul. Une fois qu'on a tout ça, on va aller... Bah, si t'as toujours ta forge, tu vas à ta forge. Moi, là, je vais devoir reprendre une forge. Parce que là, je suis sur une nouvelle game, donc... On recommence tout. Ouais, voilà, dans bâtiment, c'est mieux. Hop là, celle d'en bas. Ouais, faut le remettre dans la roue. Hop là, hop là. Ok. Oh, je l'ai jeté par terre, bourrico. Bon, je vais le ramasser. Hop. Qu'est-ce qui nous manque là? Ah, le schéma. Ok, panneau. On va dans autre. Et on tape schéma. Avec l'accent. Sinon, ça passera pas. Et on va prendre le deuxième. Voilà, la grande hache de la Légion. Hop là. Une fois que t'as fait ça, tu retournes dans ton inventaire. Utiliser X, enfin le bouton bleu quoi. On ressort et on va la crafter.
Bon, elle met du temps, donc je vous ai passé le truc. Elle est assez longue à crafter, donc... voilà. Bah là, ça y est. Normalement, t'es à 1260. Tranquille. Pourquoi aller une quarantaine de minutes de jeu? C'est bien. Bah voilà, les amis, c'est tout. Attends, je vais vite vous faire boire quand t'as une hache. Attends, hop, voilà. Tu restes et t'appuies, et t'appuies, et t'appuies. Et tu tournoies, tu fracasses tout le monde. Bref, les amis, j'espère que vous avez kiffé. Si t'as pas kiffé, fallait quitter la vidéo, mon pote. Sinon, c'est que t'es un hypocrite. Si t'as kiffé, lâche-moi un petit pouce bleu. On va pas crever et ça permet de monter dans les statistiques. On n'est pas gros, on est du petit, donc... Il faut booster là les gars, il faut nous aider. Donc bref les amis, j'espère que vous avez kiffé. Si t'es pas abonné, abonne-toi, le petit pouce, la cloche pour te tenir au courant des prochaines vidéos, succès, etc. Et puis voilà, sur ce les amis, bonne game à tous. Allez, tchuss.